Alors, bienvenue à ce premier set opposant l'Impact au Libellule de Joliette. Malheureusement, suite à un problème technique, nous avons donc droit seulement à la fin de ce premier set. Donc, les Libellules mènent maintenant 18 à 13. Samélia Mali au service. Séquence au service se termine malheureusement par un ballon dans le filet. 14-18. Réception de Rosalys passe en 4 à Amy Jad. L'attaque est envoyée en fond de terrain. L'attaque du 3 mètres qui est bien récupérée. Sip d'Amy Jad. Elle visait la ligne en 2. Le point marque. 19-14. Les Libellules reprennent le service. Service de Rosalys, malheureusement, qui est envoyé dans le filet. Passe en 4 à Gabrielle, puissante frappe de Gabrielle, qui est malheureusement bloquée au filet. Beau bloc de la part de l'Impact. 16-19, 3 points d'écart entre les deux équipes. Beau jeu de réflexe des Mijades, on sauve cette balle in extremis. Bataille au filet, remportée par l'Impact. Du 3 mètres, Samélia, malheureusement, sa frappe est envoyée dans le filet, 17-19. Réception difficile, bataille au filet. Ah, on a jugé de la part de l'arbitre que la joueuse au filet a attaqué la balle de la passeuse. Donc le point ira aux Libellules, 27. Service qui frôle le filet. Type sur la deuxième touche, récupéré facilement. Passe au centre Océane. L'attaque frôle le bloc et ira en fond de terrain. Personne n'était là pour récupérer cette balle. 21-17. Beau service de Limijad qui frôle le filet. Passe en 4 à Gabriel. L'attaque de Gabriel. Beau placement en 5 sur la ligne. Le point marque. 22-17. 5 points d'avance pour les Libellules en fin de set. Temps d'arrêt demandé par l'entraîneur de l'Impact. Un deuxième lors de ce premier set. Alors on reprend ce premier set. 22-18. Les Libellules en avance. Excellent service, encore une fois, des Mijades Lalonde qui mystifie la défensive, 23-18. Service un peu trop puissant, il ne pécreuse jamais, il est envoyé hors ligne, 19-23. Passe pour une dernière remontée du côté de l'Impact. Réception de Rosalys. On envoie au centre à Gabriel. L'attaque qui passe à gauche du bloc. Bloqué au filet. Malheureusement, on ne réussit pas à récupérer cette balle après avoir frôlé le bloc. 20-23.
Gabriel en manchette. On en va au centre. Le ballon est envoyé hors ligne. On joue un peu de chance du côté des Libellules. 24-20. Point de match. Au service, Camille Rondeau. Passe en 4. L'attaque est envoyée dans le filet. 25-20. Premier set ira donc pour les Libellules.